les Fourzinottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un holi, un nouveau holi de chez Action, pas très grand, mais c'était tout ce que j'avais besoin. Donc, je vous fais tout d'abord ce que j'ai trouvé dans les nouveautés, pas les nouveautés, mais dans les affaires de la semaine. Donc, c'est ce qui va concerner plutôt la maison, jardin, et ainsi de suite. Donc, on va commencer par la moustiquaire magnétique pour la porte, 100 cm sur 210 cm. Donc, vous l'installez et si vous passez au centre, ça permet d'avoir en fin de compte, même si vous avez quelque chose dans la main, de se refermer derrière vous grâce aux aimants qui sont tout au centre. Voilà. Voilà, vous avez le schéma là derrière. Donc c'est une moustiquaire noire. Je vais mettre ça à ma porte ici. Comme ça, cet été, on va avoir la paix. On va éviter les mouches. Voilà. De même, le soir, ce qui... Donc, ah, j'ai pas dit le prix. 2,48 € la moustiquaire de porte. Bon, franchement, il y a deux pièces. Donc ça fait que je pourrais même, s'il y a deux pièces vraiment, je pourrais peut-être même en mettre une à l'autre porte. À voir. Donc là, par contre, j'ai pris 4 longs de moustiquaires pour les fenêtres. Elles font 560 cm. Alors, ça fait 130 fois 150 cm. Donc, noir également. Facile d'installation, apparemment. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Laisse les insectes à l'extérieur. Le filet facile à installer et peut-être démonter rapidement. Fixation à scratch incluse, matériaux polyester. Donc voilà, donc j'en ai pris 4 pour mettre à chaque pièce pour quand on aère la maison. Au moins, on n'a pas les petites bêtes qui nous embêtent comme là actuellement. Et c'est toujours plus joli que après de mettre les rouleaux, vous voyez. Surtout qu'on n'habite pas loin d'une ferme. Donc bah, on n'a pas le choix. Voilà. Donc la moustique, le paquet de moustiquaires est à 0,93 centimes. Ensuite. Un ras-le-bol de mes verres, donc là en plus rose, comme vous savez, j'adore ça et ma cuisine, je compte qu'à la fin elle soit tout dans le laiton rose. Donc voilà, j'en ai pris 6 et le verre était à 88 centimes. Donc franchement, ça vaut le coup et puis ils sont super mimi. Après, il y avait des carafes et ainsi de suite, hein. Mais bah écoutez, ça je vais pas m'en servir vu que j'utilise ma Brita. Voilà. Donc ensuite, on va continuer dans la maison. Et j'ai trouvé pour Ninon sa chambre. Parce que d'habitude, j'ai pris, je sais plus ce que c'était la marque Airwick ou je ne sais pas. Non, aromathérapie à la lavande et tout pour avec des bâtonnets. Et là, j'ai trouvé ça. Donc, elle a choisi Sweet Morning. Donc, est-ce qu'ils disent un peu ce qu'il y a? Diffuseur de parfum? Non. C'est juste marqué ne jamais placer le produit sur une surface polie, peinte, en cuir ou en matière plastique. Sans... Bah oui, c'est parce que ça abîme dû à ce que c'est plutôt gras comme chose. Hein. Donc, ou bien c'est plutôt de l'alcool en fait. Ouais. Enfin, voilà. Donc, elle va vous montrer l'emballage. Elle a choisi celui-là, mais il y en avait en tout 4 sortes différentes. Et donc, le diffuseur de parfum est 2,69 €. Alors que ceux que j'achète d'habitude sont à 6,99 €. Donc, là, c'était dans la semaine Action. Mais malgré tout, comme ça, j'aurais fait une affaire. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Ah oui. Bon, ça, les bébêtes, encore les bébêtes. Invasion de fourmis tout le temps l'été. Avant que ça arrive, j'ai acheté 3 boîtes de 2 pièges à fourmis. Comme ça, le chien ou les lapins ne vont pas pouvoir aller accéder à ça. Bien sûr, je vais les mettre en un endroit sécurisé quand même. Mais au moins, on vaut mieux prévenir que guérir. C'est acheté. Donc, j'ai payé ça 2,22 €. Voilà. Ensuite, on continue avec. Bon, pour la maison, est-ce que je vous ai tout montré? Je vais encore vous montrer dernière chose qui n'est pas le plus intéressant, mais j'ai acheté. Il me manquait des piles, des AA et des AAA, donc LR3 et LR6, les deux étant à 2,89 €.
38, le même prix pour chacun. Donc j'ai pris ceux-là parce qu'en vrai, ça va, il dure assez bien. Bon, au niveau ski maison, c'est terminé. Un petit truc pour le jardin. Enfin, deux petits trucs, mais c'est les mêmes. J'ai acheté les lampes solaires en espérant, parce que j'habite quand même dans le nord, en espérant qu'on ait un jour du soleil et de pouvoir. Donc, en fin de compte, je vais faire des jardinières. Je montre déjà, ça m'a. Merci. Donc, je vais mettre ça au centre des jardinières. Sur mes pots de piquets devant, je vous ferai ça de toute façon, une mini vidéo ou un short. On verra. En montrant comment je fais. Donc, j'ai pris ça et j'ai pris. Tu peux me passer mes fleurs que j'ai achetées tout à l'heure? Tout à l'heure, j'étais à Leclerc parce que j'ai fait mes courses de la semaine et j'ai trouvé les petits bégonias comme ça. Donc, ben, juste c'était con, c'est qu'on pouvait pas échanger et avoir plusieurs couleurs. Donc, j'ai pris ceux-là pour faire les jardinières, mettre autour de ce fait des lumières et seront mis sur mes piquets de chaque côté de la terrasse. Et comme ça, le soir, ça éclaira. Si soleil, il y a. Donc, 2,99 la barquette de bégonia, ben, franchement, ça va. Jusque-là, parfait. Donc, pour tout ce qui est maison-jardin, alright. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer. Cette fois-ci, c'était. Donc, oui. Pour les cheveux, accessoires de cheveux. Oh, je ne vous ai pas montré. J'ai acheté une brosse aussi. Mais bon, la brosse, elle était à combien? Bon, c'est pas grave. 2,99, je crois. Et ça, 99 centimes. Parce que le samouraï, il râle parce qu'on lui prend ses élastiques. Donc, voilà. Comme ça, je pense que ça ira. Hein? On va éviter les drames familiales. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pour Ninon parce qu'elle a terminé tous ses puzzles. Donc, je lui ai dit d'aller choisir dans le rayon celui qu'elle voulait cette fois-ci. La dernière, elle m'a dit c'était un puzzle New York de nuit. Et donc là, c'est C'est l'Australie. l'Australie. Donc, avec une jolie cascade. Franchement, leur puzzle, donc c'est un puzzle 1000 pièces. The Horses Show. La cascade de chevaux en Tasmanie, en Australie. Peut-être qu'en le faisant, elle trouvera le marsupilami. On verra. Voilà. Donc, ce puzzle, franchement, ils sont très beaux. Parce que celui qu'elle a fait, elle va le prendre en photo, elle le mettra sur son Insta et je lui dirai de me l'envoyer, je vous mettrai en communauté. Super beau pour 1000 pièces, 3,99 €, alors que même en occasion, les puzzles, vous les avez pas moins de 10 balles, quoi. C'est très rare que les gens les laissent à 5 euros. Parce que bon, après, ce qui est logique, parce que quand même, c'est un investissement de base, hein. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pareil, c'est pour elle. Donc il y a 5 boîtes. De 40 LED avec une corde de jute. Voilà, donc elle fait ça pour. En fin de compte, elle vous montrera un de ces jours. On essaiera d'en faire une ensemble, au pire en vidéo. Et en fin de compte, elle prend les canettes genre Coca ou Coca Cerise, n'importe quoi. Et elle fait des personnages, donc avec une aiguille, elle fait des points partout. Et puis elle insère à l'intérieur. Là, les LED, et puis donc en fin de compte, le soir, enfin la journée, on voit pas, c'est sûr, ça fait une bouteille de coca, une brique, mais la nuit, en fin de compte, bah, vous voyez que le personnage ressortir, c'est super beau. On pourra aussi vous montrer, bah, quand on fera une vidéo ensemble, comment, bah, ce qu'elle a pu déjà faire auparavant, parce qu'elle a fait Huggy Wuggy pour Thibaut, elle a fait moi, elle m'a fait Dobby, Iron Man pour David. Pour Corentin, qu'est-ce que tu lui as fait à Corentin? Ayaka, C'est tu Genshin connais? Impact. Genshin Impact, voilà. Et puis elle s'est fait Raymond et Raymond d'Animal Crossing Coco. et Coco d'Animal Crossing aussi. Donc voilà, elle s'est fait des Animal Crossing parce qu'elle est fan de ça. Donc voilà, et puis je lui ai repris des petites toiles avec des chevalets, parce qu'elle nous fait plein de petites toiles également. Et ça, bon, alors je vous ai dit quoi? Je vous ai dit le prix des LED? Ben non, hein.
parle encore trop vite. Donc, je vous dis le prix des LED tout de suite, 1,69. 2 mètres de long, hein, pour mettre dans une petite canette. Et 1,29 le lot de petits cadres. Donc, il y a deux petits cadres. C'est pas très cher. Hein. Ensuite, bon, maintenant, on va en passer, que c'est mon tour, de ce fait. Je passe tout de suite. Ben non, ça, je ferai à la fin. Alors, j'ai acheté deux lots de 3 rondins de bois. Donc, ils sont légèrement différents de taille. Donc, pour décorer, mais également, comme j'ai acheté le graveur, pyrograveur, je vais tenter de faire de la gravure sur bois par la même occasion. Donc, alors, les rondins étaient à 1,49€ pour les 3 rondins. Ça va. J'ai bien regardé qu'il n'y avait pas de bébêtes, hein, parce qu'il y a des vidéos passées comme quoi il y a des bêtes à bois et ainsi de suite. Donc, j'ai bien regardé avant de les prendre. Il n'y avait pas de buvette. Hein. Voilà. Donc, regardez quand même. Si ça vous intéresse vraiment, vous allez. C'est peut-être que dans un magasin. Ensuite, si vous vous rappelez, j'en avais déjà acheté des marqueurs comme ça. Avec, c'est une brosse, en fait, hein, ceux-là. Et c'est un pinceau, quoi. C'est des métalliques. Et eux servent à, en fin de compte, écrire, dessiner, faire ce qu'on a envie sur... Pour du papier scrap foncé. En fin de compte, vous pouvez le faire sur même les feuilles noires. Donc ça, c'est super intéressant. Parce que sinon, rien ne fonctionne. Hein. J'ai tenté même avec les crayons blancs, rien ne fonctionne. Donc en fait, là, j'ai 3 collections. Il me manque plus que la collection rose-violette. Oui, c'est ça, rose-violette. Donc là, on a bleu, on a vert. Et l'autre, j'avais marron, beige, tout ça, quoi. Voilà. Et donc, attendez, je vous dis tout de suite combien j'ai payé. Ils sont où mes marqueurs? Je vous ai fait tout un truc. Maintenant, j'ai trouvé un truc bien. Alors, 2,29€ le lot. Mais franchement, ouais, sur du noir, ça vaut vraiment son prix, là. Ensuite, j'ai trouvé, ça c'est dans les nouveautés par contre, 12 marqueurs permanents. Donc, en fait, vous pouvez les utiliser sur toute surface. Et donc, on va essayer ça sur différentes surfaces. On fera un test. Et il nous marque quoi? Bah rien en fait, marqueur permanent. Waterproof, bah tant qu'à faire hein, si c'est permanent. Alors tu peux même décorer ta gourde. Tu peux même dégourder. Alors le plastique, synthétique, céramique, bois, stone, c'est quoi ça? Stone, c'est pas du métal? De la pierre. De la pierre. Cardboard, donc faire des cartes, des papiers photos. En fin de compte, ouais, tu peux l'utiliser sous tout support, ça c'est génial. Ne pas laisser entre les mains d'enfants, n'est-ce pas Ninon? Petite anecdote. Ninon, gentille petite fille avec ses belles petites couettes, sa belle petite robe à volant. Non, vous ne pouvez pas, vous ne l'avez jamais connue. Elle était comme ça avant, oui, je lui ai acheté des belles choses de fille. Et puis en fin de compte, ce qu'elle nous fait, elle va prendre un marqueur. J'ai dû laisser traîner, certes. Mais attention, suite à cela, son frère, qui est aussi magnifique, intelligent, tout comme ça, ça, s'est laissé bah, tatouer hein, avec le marqueur. Ninon aussi se faisait des tatouages. Puis d'un coup, elle s'est dit aussi, oh, et si je décorais le sol, les murs, le canapé en cuir. Petite astuce pour nettoyer du cuir, tu prends de la laque hein, ou du lait de toilette. Pour la peau, ben malheureusement, j'ai pas eu le choix, rien ne partait. J'ai dû y aller au dissolvant. Alors, je dis pas quand c'est petit, c'était pas super. Mais bon, le lendemain, il y avait photo de classe. Et donc, voilà, quoi, c'était super, super. En plus, j'étais en panne d'eau chaude. Non, mais je vous jure, c'est la poisse à gogo. Enfin, bref. Donc, je révélais déjà mon côté artistique. Voilà, c'était le début de son côté artistique, on va dire ça. Donc, est-ce que j'ai dit le prix de mes marqueurs? 2,69€. Voilà. Bon, on va éviter de lui redonner des intentions bizarres. Je vais tatouer ma mère. Elle a déjà tatoué ta mère. Alors, kit de peinture sur pierre. Graphics. Donc, dedans, vous avez 3 pierres. Vous avez une peinture noire, un pinceau, des petites strass, ainsi que 5 fioles de brillant, et donc à décorer. J'avais déjà pris celui avec ce qui était
escargots, insectes et tout ça. Et puis là, j'ai pris ça. Donc, je pourrais tenter les deux sortes, voir ce que ça donne. Donc, il est à 1,99€. Puis, une dernière chose, parce que c'est bon. Non, ouais, une dernière chose d'action. Puis après, j'ai juste une bricole de Lidl à vous montrer. Donc, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc, est-ce nouveau? Bon, en tout cas, pour moi, oui. Donc, j'ai trouvé trois feutres à pinceau aussi qui font des paillettes. Donc, couleur perle, couleur à or et couleur argent. Donc, je me dis que ça pourrait être pas mal pour les scraps, pour même, pourquoi pas, certains coloriages, tout ça. Donc, les trois pièces là de ce fait et sont à 1,85€. Donc voilà, j'ai terminé mon petit d'hier. Et ça, ça vient de Lidl. C'était dans les soldes. 1€ la cuichette, comme dit Thibaut. Donc 1€ la cuichette. Et donc, cuillère, fourchette, bon voilà. Hein. Et donc, ça, c'est pas pour utiliser en cuisine. C'est juste pour moi aussi tester la gravure. On verra ce que ça donne. J'ai jamais gravé, donc pourquoi pas, on va essayer. Voilà. Bon, j'espère que ce petit haul vous aura fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires, de nouvelles expériences, de nouveaux plein de choses en fait ensemble. De nouveaux tatouages. Saloperie. Voilà. Enfin bref, donc de nouvelles aventures. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Passez une agréable soirée, journée, nuit, ce que vous voulez. Je vous louve et à bientôt. Bye bye. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça te plaît et à très bientôt.